Ehud, c'est là-bas. Donc, on se met contre le mur. On se met contre le mur. Oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Ruth, venez. Alors, je crois qu'on est prêt. Tu es prêt? Je suis prêt. On peut commencer? Oui. Alors, vous, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et tu vas participer ici comme spectateur. Donc, vous voyez ici une petite jeune femme à côté de moi, parce qu'il nous manquait un candidat. Donc, on a invité quelqu'un du public. Donc, elle va participer avec le... deux candidats officiels, elle va participer comme ça, pour le fun. Et normalement, avec le fun, ça va, ça marche toujours. Parce que eux, ils ont de la stress. Toi pas. Hein? Alors, je crois qu'on est prêt à commencer. Je vais demander aux candidats de se rapprocher. Timekeeper, vous êtes prêts? Oui? Alors, 3, 2, 1, top! Alors, pour les gens qui regardent et qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire, ils sont juste en train de boire un petit café, c'est tout. Non, 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 pas du tout. Parce qu'ici, donc, c'est le premier tour du championnat 2019 de Cup Tasting. Et Cup Tasting, ça veut dire, donc, dans notre terme de café, cupping, c'est goûter, déguster le café.
Donc, quand le café vert arrive chez le torréfacteur, on va torréfier des échantillons et on va le déguster. Alors maintenant, on a fait un concours. Donc, vous voyez devant le candidat, il y a 8 triangles. Dans chaque triangle, il y a 2 tasses de café qui sont identiques et un autre, que c'est un autre café. Et c'est à eux de trouver l'intrus et de l'avancer derrière la ligne. Et pour ça, ils ont 8 minutes de faire ça. Ça a l'air très simple. Mais je vous assure, parce que peut-être, je ne sais pas, mais dans un triangle, il y a 2 cafés de Colombie, mais un Colombie d'une autre plantation et une autre plantation. Donc, ça peut être très difficile. Mais on peut le faire très facile aussi, par exemple, si on met un Éthiopie avec un Brésil. Alors, c'est à eux de trouver. Ils ont 8 minutes. Et après 8 minutes, on va regarder s'ils ont trouvé la bonne réponse. Parce qu'en dessous de la tasse de l'intrus, on a mis un petit signe. Et comme ça, on le sait. Donc aujourd'hui, on a 25 candidats. Demain, on va passer à semi-finale avec 12 candidats. Et demain après-midi, il nous reste 4 candidats dans la finale. S'il y a une égalité dans les scores, dans les tasses correctes, c'est le temps qui va jouer. Donc c'est pas que les bonnes réponses, mais aussi la vitesse qu'ils font le concours. Il vous reste 4 minutes. Quand j'ai parlé du temps, si on regarde ici sur la station numéro 3, 10 ans, elle a presque fini. Hein. Ah voilà, Ruth qui a fini. Et pour les autres, il vous reste 3 minutes.
2 minutes. Messieurs, il vous reste 1 minute. Attention. Alexis, il a fini. Alexis. Oui. Oui. Et Chris a fini aussi. Alors, tu donnes le temps à Michael. On va débarrasser la tasse. Donc pour les gens, normalement, toutes les tasses ici, ils sont égales. Ça, c'est égal, égal, et ça, c'est l'intrus. À par rapport à Chris, on va vérifier après si c'était la bonne réponse. On va juste débarrasser les tasses pour ne pas faire des erreurs. Alors, Alexis, 8 sur 8 Non, mais c'était dur. Plus dur que l'année dernière. On va voir. Il y aura des bons. Hein. Et toi, Chris? C'était plutôt dur et puis je débute. Voilà. Ah, ok, bah on va voir après. Et Ruth, tu l'as fait en 5 minutes, 4 minutes? C'était facile? Non. Mais. On doit se mettre bien d'accord parce que ta maman, elle va participer après. Tu dis rien. Tu dis pas numéro 5, numéro 4, c'est difficile. C'est bon? Ok. Alors, je crois qu'on est prêt. J'attends le caméraman. Je vais vous demander d'avancer. Et Alexis, on va commencer avec toi. Je vais te demander... de commencer, soulève-le, et c'est une bonne réponse. Oui, c'est bon ça. Alors, on va voir Chris. Chris, vas-y, tu peux le soulever, et erreur, tu le mets là, oui. But. C'est une bonne réponse, oui. Alors, numéro 2, on va regarder aussi. Non, c'est une erreur. C'est pas grave, c'est pas grave. Chris, on va revenir chez toi. Attendez, attendez. Alors, 1, 2, 3. Erreur. Non, oui. On va regarder avec Alexis. Un petit instant, un petit instant. On attend le cameraman. On va regarder. Vas-y. Erreur. Non.
Et on va rester avec toi. On va regarder si numéro 3, c'est une bonne réponse, oui ou non. C'est une bonne réponse, oui. Alors, station numéro 2. Venez avec moi. Vas-y. Troisième, c'est une bonne réponse, oui. Monsieur, dame, elle a 10 ans. On va regarder. Ruth, attendez. Oui, c'est une bonne réponse. C'est bien. Je crois que dans 8 ans, on se revoit ici pour un concours officiel. Hein? Quatrième, vas-y. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il mange? Tâche numéro 4, vas-y. Erreur. Et Alexis, on vient près de toi. Et on va regarder si numéro 4, c'était une bonne réponse, oui ou non. C'est une bonne réponse, oui. 5, vas-y. Et bonne réponse, oui. Ça fait déjà 4 de correct. Et Chris, numéro 5, vas-y. Erreur. Et on revient chez toi. On est à la tasse numéro 5. Oui. C'est une bonne réponse. Oui, oui. Je dis rien. Numéro 6. Erreur. Oui, elle en a déjà 4, comme tu dis. Alors, tasse numéro 6. Vas-y. C'est une bonne réponse, oui. Et station numéro 1. Alexis, tasse numéro 6. Est-ce que c'est une bonne réponse? Non, c'est une erreur. Et on reste avec toi, on va regarder un numéro 7. Qui est une bonne réponse, oui. Bien, bien. Et on va regarder ici. Pour la 7. Oui. C'est une bonne réponse. Alors, Ruth. Attendez. Vas-y. C'est une bonne réponse, messieurs, dames, oui. Oh là là. Alors, la 8. C'était difficile, la 8? Non. La 8, c'était un difficile ou un facile? Il était facile. Alors, ok. Allez, la 8, on va regarder. Ah, c'était une erreur. Mais quand même, mettez vos mains ensemble pour cette jeune dame. Bravo, bravo, bravo. Alors, on revient à station numéro 2. C'est pour numéro 8. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, c'est une bonne réponse. Ça veut dire 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Et la 8? 1, 2, 3. Et aussi, c'est une bonne réponse. Donc, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses, messieurs, dames. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était hit numéro 2, numéro 2. Je crois que dans 10 minutes, on va avoir les prochains candidats. Merci beaucoup.